Bonjour à tous. Donc, je suis Lucille, bénévole au Festival des Transmusicales. Je vous souhaite la bienvenue pour cette rencontre. N'hésitez pas à prendre la parole et bien parler dans le micro. Voilà. Bonne rencontre à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui avaient terminé de manger à Rennes, à tous ceux qui vont venir et à tous ceux qui sont derrière leurs écrans pour suivre ce webinar qui fait partie d'une série qu'on appelle les Radio 2.0 Webinar Série, voilà, qu'on a réalisé en collaboration avec Xavier Filliol qui va animer ce débat et qui se propose tout au long de l'année sur des rendez-vous mensuels, thématiques, d'aborder différents aspects liés à la radio et l'audio digital sous l'angle de l'innovation, tant au niveau des contenus, au niveau de l'expérience de la distribution, comme au niveau des modèles de monétisation. Aujourd'hui, on a réalisé cet événement en collaboration avec Bicom. Ce qu'on souhaitait cette année, au travers des webinars, c'était de se rendre au contact des experts de l'audio digital chez eux. Et ici, en Bretagne, on a des spécialistes. Voilà, donc je remercie tout d'abord Bicom pour cette collaboration et les Transmusicales qui ont bien voulu héberger cette conférence qui, pour nous, est l'occasion de faire rencontrer et témoigner des artistes sur l'importance de l'audio digital, de l'expérience immersive et des gens qui sont plus dans la technique et les outils. Voilà, donc je tenais aussi à remercier, je profite d'avoir le micro, les sponsors qui nous accompagnent sur ces événements, qui sont Deezer, Médiamétrie, Lina, RCS, Audion, Single Spot et la VR Connection. Voilà, et c'est un événement qu'on fera en deux parties, avec tout d'abord un making-of que va présenter Hervé Desjardins sur un spectacle, un show qu'a fait Molécule au Rex Club, qui est tout particulièrement intéressant dans le noir, en son spécialisé, nous comptez ça. Et derrière, un débat qui nous réunira pour la deuxième partie. Voilà, et sans tarder, je passe le micro à Hervé. En fait, moi, j'ai laissé la parole à Romain. Bonjour. Bonjour. Ben, déjà, on est ravis, je suis ravi d'être là. Ça me rappelle des souvenirs un peu plus nombreux et festifs. Il y a 2 ans, je clôturais le Festival des Transmusicales dans le Hall 9 à une heure très tardive. Voilà, donc je suis ravi d'être de retour à Rennes pour les trans. Et effectivement, on a fait un événement il y a quelques semaines avec Hervé. Je voulais reprendre un peu la genèse de cet événement. Présenter aussi un peu la démarche artistique qui est à l'origine de ce projet. En quelques mots, j'ai développé un processus créatif un peu particulier où je pars m'immerger dans des lieux assez isolés, des conditions extrêmes. Je pars avec des micros et mes instruments et je construis une sorte de home studio dans ces endroits. Et à l'aide de sons capturés in situ, je compose après avec mes instruments de la musique. Je fais ça aussi avec un dogme en tête qui est de partir avec des pages blanches sans avoir aucune idée préconçue de la musique et des sons que je vais y trouver. Et je reviens avec un album sans retoucher aucune note de la musique composée sur place. Je suis parti en 2013 sur un chalutier qui était
basé pas très loin d'ici, à Saint-Malo, sur un bateau qui s'appelle Joseph Roti. Pendant à peu près 35 jours, j'ai fait une traversée entre l'Islande et l'Écosse et j'ai composé un album avec l'idée de mettre en musique la tempête. Ça a donné lieu à un album qui s'appelle 62 et 43 Nord. J'ai fait une tournée et la présentation au Transmusical il y a 2 ans. Et il y a 1 an et demi, je suis parti m'immerger au Groenland avec la volonté de travailler autour du silence. Donc j'ai fait pas mal d'enregistrements de silence et en sculptant les sons, avec en éditant les prises de son, j'ai fait jaillir un peu des harmonies, des notes qui ont été révélées après par les instruments que j'avais amenés avec moi sur place. Je suis revenu l'hiver 2017 de ce périple avec un album dans mes bagages. L'album est sorti l'année dernière au mois de février, il s'appelle -22.7. Et à l'occasion de la sortie de l'album, on avait une date de lancement à Paris, à l'Élysée-Montmartre. Et j'ai tout de suite eu l'idée de vouloir faire ce concert en immersion sonore. Et donc j'ai contacté Hervé et Radio France, avec qui on a déjà collaboré sur de nombreux projets en son spatialisé. Je suis d'ailleurs un peu un enfant de l'école Radio France son spatialisé, puisque c'est eux qui m'ont donné les outils, qui m'ont permis de travailler, d'avoir accès à ces techniques et puis à cette culture aussi. Moi, je viens plutôt du rock hein, à la base, de manière assez standard, et de la musique électronique. Et c'est dans les différents travaux qu'on a fait en commun que j'ai été sensibilisé au son spatialisé. Et donc, à cette époque-là, sur cette date à l'Élysée-Montmartre, on a essayé de tout faire pour mettre en place un concert en son spatialisé. Pour différentes raisons, le timing était un peu short et ça ne s'est pas fait. J'ai évidemment gardé cette idée en tête pendant de nombreux mois. Et j'ai une résidence dans un club à Paris qui s'appelle le Rex. Je leur ai proposé le projet et cette fois-ci, on a pu le réaliser. Et j'ai ajouté une dimension qui était pas présente pour le concert à l'Élysée-Montmartre, qui était de faire ce concert et cette performance dans le noir, pour mettre vraiment le son en premier lieu, un peu à l'heure aussi, où scéniquement, souvent, on met beaucoup d'artifices, beaucoup de vidéos, parfois même des feux d'artifice pour certains, des confettis, beaucoup de lumière. Donc là, il y avait aussi la volonté de mettre le son en premier lieu et l'immersion sonore. Et avec Hervé, on a développé une configuration assez atypique, il en parlera mieux que moi, où c'est vraiment une performance en duo, puisque on est tous les deux au centre de la salle, au milieu du son, donc on est a priori à la meilleure place. Et je fais une performance en direct avec tous mes instruments, donc c'est beaucoup de synthé analogique, boîte à rythme. J'envoie tout en piste séparée à Hervé, qui en temps réel spatialise les sons par rapport à la performance aux éléments que je lui fournis. Et j'interagis aussi énormément au mouvement des objets sonores que Hervé réalise. Donc il y a vraiment une interaction assez subtile et qui est nouvelle, qu'on a réussi à créer. Et c'était une expérience pour le public assez étonnante, troublante parfois, et puis pour nous aussi assez excitante parce que complètement nouvelle. Je te laisse peut-être parler un peu de la configuration. Oui, donc là moi je vais vous parler un petit peu du cahier des charges qu'on s'était fixé, c'est-à-dire quels étaient nos enjeux, et puis comment on les a réalisés techniquement sans rentrer dans les détails, vraiment pour vous donner un aperçu des problématiques spécifiques à ce genre de performance. Mais on va pas rentrer dans des détails techniques. Donc l'idée, comme vient de le décrire Romain, c'était de diffuser son set dans le noir, en son 3D, donc en immergeant les gens, l'audience au milieu du son. L'idée, il fallait aussi qu'on spatialise le son pour cette sonorisation, qui devrait de toute façon être spécifique. Et en même temps, on avait l'enjeu de distribuer, de faire une expérimentation sur le web. Et FIP, ils ont été super parce qu'ils nous ont rejoints et ils nous ont fait confiance. Et donc, pour une première, on envoyait le signal en binaural, je vais vous expliquer, directement sur la web radio électro de FIP pendant la performance en direct.
Et l'enjeu, c'était bien évidemment, en live, d'animer les sons et de travailler avec les mouvements musicaux et de trouver cette relation, mais en live, donc avec une grande souplesse et puis une grande fiabilité. Bref, se mettre dans le contexte du live, qui est un contexte assez spécifique. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu le projet. Donc, voilà, il y avait Romain était sur scène. On devait être l'un à côté de l'autre. La sonorisation pour l'Orex et puis donner le meilleur rendu au niveau tant sur le plan émotionnel que sur la perception de l'espace qu'on avait au Rex Club sur une écoute grand public qui est le casque en binaural avec un smartphone. Donc pour réaliser cette expérience, il y a un partenaire qui nous a rejoint qui est Elle Acoustique, qui développe aujourd'hui depuis plusieurs années un système qui s'appelle ELISA, qui est en fait le principe, c'est de pouvoir faire de la spatialisation sur des événements, mais de gros événements sonorisés, enfin petits moyens, mais surtout de gros événements. Et Elle Acoustique est une société extrêmement innovante dans le domaine, a développé ce système ELISA. Qui permet de processer et de développer des espaces et de pouvoir reproduire justement un espace spatialisé, immersif, avec des enceintes de sonorisation et dans un contexte de sonorisation et de live. Donc avec, pareil, toutes les difficultés qui sont spécifiques au live. Donc l'idée, voilà, c'était de mettre l'auditeur au milieu de la scène et puis de le faire vivre, de l'immerger dans les sons. Cette notion d'immersion est extrêmement importante pour nous parce qu'elle sous-entend de jouer avec la perception qu'a l'audience. C'est-à-dire qu'on les met dans un lieu où les sons vont s'animer et vont se retrouver dans un contexte sonore qui est bien évidemment le contexte et l'univers que va développer Romain avec sa musique et ses synthétiseurs. Donc il a fallu, dans un premier temps, réétudier totalement la sonorisation du Rex, c'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'on enlevait tout, alors on n'a pas tout enlevé, hein, mais on a complété. Et Elle Acoustique a fait toute l'étude d'ingénierie permettant de sonoriser ce lieu, et vous pouvez voir sur les images, toutes les petites barres noires représentent les haut-parleurs qui étaient placés dans l'espace. Les gros cubes, ben, c'est ce qu'on appelle des subs, donc les haut-parleurs dédiés aux basses fréquences. Il manque juste un petit haut-parleur là, qui est pas sur le dessin, qui était au niveau du bar pour complètement fermer cette espèce de boucle. Donc on voit qu'on n'a pas un cercle parfait, on a un rectangle et il fallait sonoriser ça. Et là, Elle Acoustique a fait un excellent travail d'ingénierie. En plus, leur système de spatialisation marche très très bien. Et voilà l'installation. Donc la difficulté était aussi d'installer cette sonorisation en un temps très limité, puisqu'on avait les lieux à 10h du matin, que les balances avec Romain étaient prévues à 18h, et qu'à 17h, il fallait qu'on fasse les premiers essais sons pour ajuster la sonorisation. Donc, il a fallu beaucoup de monde pour installer très, très vite, être très dynamique sur l'installation. Avec, en plus, bien évidemment, en respectant les normes de sécurité, que les gens ne se mettent pas la tête dans les haut-parleurs. Enfin, je vous laisse imaginer toutes ces problématiques qui peuvent paraître secondaires, mais qui, en fait, sont fondamentales dans ce genre d'installation. Là, vous voyez la petite ellipse blanche qui apparaît là, entre les deux views. C'est l'endroit où nous étions avec Romain, parce que ça, c'était notre problématique. Quand on est arrivé avec Romain, on avait déjà fait des expériences à la maison de la radio avec des lives qu'on appelait les lives Agora 360. Mais là, on a pas mal d'espace. Et donc, moi, on se permettait de prendre des consoles assez conséquentes, quoi. Et donc, on avait beaucoup d'espace. Et là, Romain, je me rappelle, il insistait lourdement là-dessus, en disant « Mais Hervé, il ne faut vraiment pas qu'on prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. » Donc, on a beaucoup travaillé. Je vais vous montrer le petit meuble qu'on avait développé pour ça. Et on est arrivé. Moi, je tenais sur 1 mètre carré. Toute mon installation, console, spatialisation, tout tenait sur 1 mètre carré. Ça fait partie du cahier des charges, mais je trouvais ça très, très intéressant parce que l'idée, ce n'était pas non plus qu'on soit tout seul avec juste 10 personnes autour de nous parce qu'on avait pris toute la surface. Donc, l'idée était de spatialiser les sons, de pouvoir les faire se déplacer dans l'espace, et que cela fonctionne, que ce soit en binaural, donc là vous imaginez la figurine avec un casque, et sur la sonorisation. Là, nous, pour nous, il n'y avait pas 36 solutions, il fallait que les mouvements soient générés par un outil qui permette de s'adresser à l'outil de spatialisation pour la sonorisation et à l'outil de spatialisation pour la diffusion sur le web et qui assurait la binauralisation, donc l'encodage binaural. Donc, comme aujourd'hui, il y a un grand paradigme qui est en train de se préparer dans le domaine de l'audio, qu'on appelle l'audio orienté objet.
dont le concept est d'envoyer des signaux audio, mais de ne pas envoyer un mix, mais d'envoyer toutes les composantes de d'un mixage avec ce qu'on appelle des données qui vont renseigner à l'arrivée, donc demain sur votre smartphone, sur votre box, dans un club avec un processeur comme je suis en train de vous parler, de pouvoir réaliser et reproduire la création qui a été faite dans le domaine sur le mixage et sur la spatialisation, et quel que soit votre mode d'usage. Donc ça doit marcher avec un casque, ça doit fonctionner en stéréo, alors il n'y aura pas de 3D, mais en tout cas, vous aurez une stéréo qui sera totalement cohérente, et ainsi de suite. Et comme on est donc, tout ça pour amener cette technique, et comme on était dans cette avancée, nous, au laboratoire de Radio France, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse ce live en objet. On va commencer déjà à creuser l'objet. Donc, l'outil qui va donner les mouvements au son, il doit pouvoir s'adresser à n'importe quel type de processeur pour pouvoir adapter. Et ensuite, les calculs se font en fonction du vecteur de diffusion qu'on veut. Donc là, dans ce carré, dans ce rectangle gris, vous voyez Romain avec ses instruments. On avait bien évidemment mis des ambiances, des micros d'ambiance, pour que sur FIP, on puisse avoir le public, les réactions du public, les applaudissements, et justement immerger aussi dans cette atmosphère de la musique, du son avec le public et sa réaction par rapport en relation avec cette musique. Une petite console Yamaha, et puis cet outil de spatialisation qui a été développé, qu'on a développé sur un logiciel qui s'appelle Usine, qui permet de faire de la programmation en mode objet. Et donc je vais vous parler un peu plus tard, alors pas sur la programmation, mais sur ce qu'il nous permet de faire dans le domaine des mouvements. Et ensuite, ces deux outils, vous voyez, il y a la flèche bleue qui envoie toutes les sources audio. Donc le mixage n'est pas réalisé à cet instant. Et puis, à droite, vous voyez le spatialiseur qui lui envoie toutes les données de position dans l'espace, qu'on appelle en azimut. Alors, l'azimut, c'est l'angle sur le plan horizontal. Et puis la distance, la distance par rapport au centre de la scène sonore. Et puis derrière, on avait un calculateur qui s'appelle le SPAT Révolution, qui faisait le rendu en binaural. Et ça, derrière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça partait sur un serveur directement. On était câblé sur la fibre du Rex et on streamait directement sur FIP. Et la même chose, les mêmes signaux, que ce soit l'audio et les data, arrivaient sur un calculateur qui est le processeur d'Elisa et qui alimentait la sonorisation qui était sur 12 haut-parleurs. Là, maintenant, je vais vous parler, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant par rapport au travail qu'on a mené avec Romain, que sont les mouvements. L'idée, c'était que vous avez deux types de création de mouvements. En fait. Vous avez les mouvements qui vont être extrêmement précis, c'est-à-dire que dans le temps, vous allez définir un mouvement à un instant T qui va se déployer, qui va aller à un point précis à un autre. Là, ce n'était pas notre sujet. Parce que pour le live, il nous fallait quelque chose de... Comme on est dans l'impro, parce que même si Romain a un fil conducteur dans sa composition, il a quand même de l'impro, il ne va pas lâcher les choses au même moment, il va sentir le public, et puis il se donne des espaces de liberté dans le déploiement de son set. Il fallait qu'on soit exactement dans le même esprit sur le plan de la spatialisation. Donc des outils qui permettent de donner des mouvements, qui permettent d'associer ces mouvements aux formes sonores, mais en même temps, qu'ils soient des choses très faciles et très souples à utiliser, qu'on ne soit pas sur des choses complexes à mettre en œuvre. Et donc cet outil, je l'ai développé depuis maintenant 3-4 ans, et là vous en voyez une des interfaces. Et à chaque son, on va avoir une de ces interfaces qui va piloter chaque son. Donc pour chaque son, on va pouvoir donner un mouvement différent, ou le mettre en fixe, enfin bref, on fait ce que l'on veut. Excusez-moi. Et donc, c'est ce qui nous a permis, là je vous donne grosso modo, je vais vous montrer après l'outil, dans les mouvements, on peut placer les sons comme on en a envie dans l'espace, on peut les faire tourner, donc c'est le mouvement orange qu'on appelle le LFO, parce que c'est un oscillateur qui permet de faire tourner dans un sens, dans un autre, en synchro avec la musique, de revenir à la même position avec des mouvements parallèles. Le mouvement physique en bleu qui lui va simuler, vous pouvez imaginer une balle qui serait dans un cube, qui rebondit à l'infini parce que rien ne la freine, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune résistance, et à l'infini, elle rebondit. Le troisième mouvement est un mouvement aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le son va passer un certain seuil de niveau, le logiciel va donner une valeur aléatoire en X et Y et va positionner le son, et on a un réglage de pondération qui permet de faire que le son est très nerveux ou plutôt un peu mou. Donc là, c'est pareil, l'idée est de s'inspirer du mouvement sonore qu'on veut traiter. Et cette notion est extrêmement importante pour moi. C'est-à-dire que la première chose que je fais, c'est que j'écoute le son qui arrive
sur l'outil. Et qu'est-ce qu'il m'inspire ? Est-ce qu'il m'inspire une espèce de moustique complètement nerveux ? Est-ce qu'il m'inspire un truc qui se traîne ? Est-ce qu'il m'inspire quelque chose qui est un peu aléatoire, pas dans le rythme ? Et à partir de là, je vais choisir parmi ces outils ce qui va mieux correspondre. Je vais adapter la vitesse et le rythme. Et on s'aperçoit qu'on a une espèce de cohérence qui se crée. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la fois, on va donner une tendance au son, on va essayer de trouver sa personnalité, donner le mouvement qui correspond à sa personnalité, mais en même temps, la relation entre ces sons et leur mouvement est totalement aléatoire. Et donc, on est dans l'esprit du live et du set de Romain, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose de coordonné et à la fois, quelque chose où des fois, les sons se rencontrent à un endroit, c'est magnifique, et peut-être qu'on ne l'aura plus jamais dans la soirée. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que dans la manière dont toi, tu joues, on est dans ce domaine-là. Et puis la dernière manière de d'écrire les sons, les mouvements dans l'espace, c'est un module qui me permet carrément de dessiner un parcours et le son va le répéter à l'infini. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite, si ça veut bien marcher. Hop. Si ça n'a pas planté depuis. Donc voilà l'outil dont je vous parlais. Donc là, on a un des modules, le module 1, qui va piloter le son numéro 1 qui rentre dans la console. Je vais le démarrer. Donc, comme je vous le disais, on peut positionner le son dans l'espace comme on veut. Voilà, je le laisse vivre. Après, je peux faire tourner le son avec des vitesses. Je peux ajuster. Alors, vous voyez, il y a des données de tempo. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai une relation avec la console et j'ai un tap tempo qui me permet de rentrer le tempo du morceau. Et ça va venir adapter le mouvement au rythme de la musique. J'ai également la possibilité, à chaque fois que le son va se présenter, alors ça a certainement marché avec une caisse claire, vous voyez, à chaque fois que je parle là-bas, la sphère revient à la position 0 et je peux choisir une position de départ. Donc ça donne des mouvements répétitifs, si on veut générer ce genre de mouvement. Le deuxième mouvement dont je vous ai parlé, c'est le mouvement physique. Donc là, voilà, c'est une balle qui va... Bum, bum, bum. Le mouvement aléatoire. Donc là, c'est pareil à chaque fois. Donc je peux régler le seuil, bien évidemment. Et puis, alors ça va très bien marcher avec des sons un peu barrés, un peu décalés. Je trouve que ça fonctionne très, très bien. Et puis, le dernier mouvement. Voilà, alors comme je suis un peu narcissique, j'ai mis mon H de Hervé. Et la boule, donc je peux bien évidemment effacer à tout instant. Hop. Voilà, la série CT. Et puis je vais pouvoir redessiner. Hop. Et voilà. Et l'idée, c'est d'être en objet, donc d'envoyer ces données aux différents processeurs. Donc là, je vais vous montrer le logiciel qui pilote le processeur de L'Acoustique, qui est derrière en fond. Il n'apparaît pas. Hop. Et là, vous avez quatre sons actuellement, parce que le module, il y a quatre sons en démonstration derrière, et qui sont en train de tourner et de se déplacer, pilotés par ce logiciel. Et donc, on jouait beaucoup aussi. Parfois, j'arrêtais le logiciel. C'est que je faisais un hola. Tac, 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 tac. Et je figeais tous les sons dans l'espace. Et puis avec le logiciel Elisa, je faisais ce qu'on appelle les snapshots. Et puis je mettais tout à un endroit, je les ai tournés. Voilà. Voilà. L'idée, c'était de trouver la manière d'animer ces sons en relation avec la musique et de rentrer dans l'univers et d'ajouter le mouvement à l'univers musical de Romain. Vous aurez compris, voilà, c'était notre objectif. Donc pour... Alors voilà le meuble qu'on a développé pour cela. Quoi. Donc ça tenait sur 1 mètre carré. Vous voyez là, la console et au-dessus la tablette avec le petit clavier, la souris et le Mac qui est en bas. Là. Tout était en... Il y avait juste un RJ45, un câble de réseau qui alimentait derrière les processeurs qui étaient cachés derrière dans le Rex. Et puis là, c'est nous deux, lors du show. On est l'un à côté de l'autre et on est au milieu du public. Il était 2h du matin. On a commencé à 1h, non, c'était 2h. De 2h à 3h30, hein, c'est ça. De 2h à 3h30, ça a duré 1h30. Moi, j'étais vraiment très, très impressionné par la réaction du public, qui sont des aficionados de Romain,
et qu'il y avait, on sentait des réactions vraiment au mouvement sonore, quoi. Les gens, ça les amusait, il y avait une relation assez forte avec ce monde immersif. Et je pense que ça a été, il y avait un côté impressionnant, premièrement, parce qu'on a eu la chance d'avoir un système de sonorisation vraiment d'excellente qualité, puisque l'acoustique nous a mis les enceintes Elisa, qui sont un système absolument hallucinant. J'avais l'impression, moi, en mix au milieu, de travailler dans un studio de monitoring. J'étais presque en studio de production, tellement le son était d'excellente qualité. Et le binaural qui était produit sur FIP, que vous allez pouvoir, je vous montrer, vous pouvez l'écouter sur FIP, il est en ligne, il y a un extrait du live. Je vous recommande bien évidemment de l'écouter au casque et vous allez voir cet espace tridimensionnel. Et vous allez voir que, enfin, moi, personnellement, je suis très très content du résultat parce que je n'entendais pas, moi, ce qui se passait sur FIP, j'entendais ce qui se passait sur la sono. Donc, mon monitoring en tant qu'ingénieur du son, c'était la sonorisation. Et qui fait de la sonorisation, c'est que ce n'est pas gagné, quoi, d'avoir un mix. On peut avoir un très beau mix en sonorisation, mais la stéréo qui part sur une ligne qui va alimenter un média, c'est très très dur d'obtenir un excellent résultat qui soit compatible avec ce type de distribution. Et là, aujourd'hui, on arrive, alors la sono a énormément évolué ces 20 dernières années, mais là, on arrive à des qualités de sonorisation qui, personnellement, ça ne cesse de m'impressionner, quoi. Et le système Elisa, je ne vends pas du L acoustique, hein, ils ne me donnent pas d'argent, mais je trouve qu'ils ont fait de l'excellent travail et ça marche vraiment très très bien. Donc, vous pouvez l'écouter sur FIP. Romain va peut-être vous en parler. Il y a une sortie discographique qui est prévue de ce live. Donc, sur FIP, on en a mis un petit extrait. Et si vous voulez l'écouter sur FIP, vous tapez FIP Molécule Rex Love 360 avec ces mots-clés. Vous allez retrouver le lien très facilement sur Google. Et on va aller maintenant sur la page de FIP et je vais vous faire écouter un petit extrait. Donc, voilà. Un chat radio. Évidemment, il faut écouter au casque pour avoir l'effet de spatialisation. Le binaural étant un rendu stéréo. Non, pas stéréo, c'est un rendu, en fait, on reproduit les indices de localisation du son qu'utilise le cerveau humain et ça permet de reproduire la perception d'un son tridimensionnel, c'est-à-dire d'immerger l'auditeur. Le concept étant de reproduire les indices qu'utilise le cerveau pour repérer les sons dans l'espace avec nos deux oreilles. Et quand on reproduit ces indices à l'identique sur un casque, eh bien, on a l'impression que les sons nous passent au-dessus, devant, derrière, en dessous, sur les côtés. Et donc là, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'il y avait un processeur qui était dédié à ça, un logiciel qui était dédié à ça. Je tiens à remercier aussi les équipes d'Orange Lab, notamment Marc Emerit, Rosanne Nicole, avec qui on a travaillé pendant de nombreuses années, pendant un consortium qui s'appelait Billy, avec qui on a beaucoup travaillé à améliorer justement ces fameux filtres qui permettent de binauraliser. Et la qualité de ce résultat est aussi en partie grâce à eux, parce qu'on peut faire un grand cocorico d'ailleurs dans ce domaine, c'est que la France est quand même un pays extrêmement brillant dans le domaine de l'audio et de l'audio immersif. On a les équipes de Bicom qui font aussi un travail formidable. Il y a Orange, il y a l'IRCAM, il y a le CNRS. Enfin, on peut être très très fiers dans notre pays d'avoir... Nous, à Radio France, nous n'aurions pas pu produire et avoir toutes ces expérimentations et avoir cette avancée qu'on a aujourd'hui dans le domaine de l'audio immersif sans ce contexte de recherche qui est très très fort en France. Donc je tiens à donner un grand merci à la collectivité de tous ces gens qui sont souvent dans l'ombre mais qui nous permettent à nous d'obtenir ces résultats et d'envisager de nouvelles formes de diffusion et de création. Je n'ai plus rien à ajouter. On peut peut-être conclure sur le fait que cette première
va sans doute donner naissance à une tournée là, qui est en train de s'organiser avec un peu ce même concept en France et à l'étranger, et que cet enregistrement fera aussi l'objet d'une sortie discographique au printemps 2019. Voilà. Merci. Je vais peut-être prendre, s'il y a des questions dans la salle par rapport à ce travail, avec cette présentation. Je vous remercie tous les deux, Hervé Romain. Alors, c'est une présentation qu'on a voulu un petit peu technique parce que effectivement, c'est un sujet qui est très, très vaste. Et on voulait que ce soit très concret à travers ce making-of. En tout cas, moi, j'ai des questions, c'est à savoir quel a été l'accueil du club, comment ça s'est passé dans la discussion, la négociation. Ils ont dit tout de suite OK, ils savaient ce que c'était que le son immersif, ils te connaissaient. Enfin, quelle est la genèse du projet en termes de prod ? Ben, la genèse, oui, ils me connaissaient. J'avais une carte blanche sur cette soirée-là et c'est pour ça que j'en ai profité pour amener ce projet. Hervé parlait tout à l'heure de la contrainte de l'espace. Ce n'était pas une contrainte personnelle imposée, c'était plutôt imposé par le club, puisque effectivement, quand on est au milieu d'une salle, on réduit la jauge et donc la billetterie pour la salle de manière assez importante. Donc c'est plutôt le club et le responsable du club qui me disait « dis à ton savant fou de ne pas prendre trop de place ». Mais ils ont joué le jeu. C'était pour eux un enjeu pour leurs équipes assez important. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez excitant sur le son immersif maintenant, que ce soit sur des projets très pointus sonores et des applications comme ça, un peu plus grand public, où on a proposé à une audience qui n'est vraiment pas habituée à ce type de son et d'expérience spatialisée, quelque chose de nouveau pour eux. Je pense qu'on est, de toute façon, tous les acteurs qui sont présents ici en conviendront, on est vraiment un peu à une époque charnière au niveau du son immersif. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi excitant pour tout le monde. OK. Oui, une question. Alors, on peut faire passer peut-être les micros sans fil. Ouais, ils sont là. OK. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour, Emmanuel Bicom. J'étais curieuse d'avoir un peu plus d'infos sur la manière dont le public a ressenti, réagi. Est-ce que ça a orienté le mix et l'expérience elle-même? Est-ce que ça vous a transformé vous aussi? Et est-ce que ça a changé la manière de créer en live? Alors, pour ma part, le premier effet que ça a eu, on a joué un set qui est ce que je joue en tournée actuellement. Donc, je me donne la liberté, Hervé en parlait un peu. Pour moi, c'est très important de pouvoir jouer sur les durées et pouvoir improviser, même s'il y a une forme d'écriture où j'ai un set de live où je vais jouer, je sais à peu près, c'est 10 morceaux, mais je vais les jouer de manière sensiblement différente avec des espaces d'improvisation assez larges. Et ce set dure en tournée à peu près une heure dix. Et là, on a fait donc ce même set, ce même tracklist, et on a joué 1h40. Donc déjà, il y a eu spontanément, c'était pas prévu, mais dans l'interprétation, ça s'est étiré aussi, parce qu'il y a des moments où la spatialisation est vraiment un instrument à part entière. Et du coup, sur certaines scènes que je pouvais lancer, certaines parties musicales, je laissais vivre et je laissais Hervé s'exprimer. Donc il y avait vraiment une interaction mutuelle. Concernant le public, donc il y a eu un retour très bon dans l'expérience. C'était quelque chose de complètement nouveau parce que c'est déstabilisant. On imagine bien que quand on est au milieu, on entend les sons un peu partout, mais quand on est un peu dévié dans la salle, une caisse claire, on peut l'entendre en plein juste derrière son oreille, et puis d'un coup, elle est très très loin jusqu'à presque plus l'entendre. Donc il y a aussi une limite de taille. Là, on était sur une jauge de 800 personnes, mais on a défini, là, c'est une jauge de 1000 personnes à peu près sur une salle plus importante. C'est pas possible pour des histoires techniques de delay et de propagation du son dans l'air. Et puis aussi, la chose qui est ressortie, c'est qu'on avait un système son très bon, c'était fort, mais c'était pas agressif. C'est-à-dire que le son immersif permet aussi d'avoir un ressenti d'être dans le son sans que ça soit agressif.
chose qu'on a souvent en sortant de concert dans des grosses salles où parfois le son est bon, mais il y a quand même des moments où ça fait un peu cligner des yeux et siffler les oreilles. Donc là, c'est les deux retours que pour ma part. Hein. Oui, sur les problèmes temporels, en fait, ils sont dus à la musique. C'est-à-dire que si on est sur une jauge, enfin un espace trop grand, imaginez quelqu'un qui est dans un des coins de cette pièce. Si à l'opposé, la propagation du son fait que d'un seul coup, le son qui est censé être dans un rythme et donc à un temps bien précis, la propagation du son va faire qu'entre les deux sons, la position relative de l'individu vont faire que le son qui est à l'opposé sera plus en rythme. Donc là, il y a des réflexions. J'ai envie de réfléchir parce que ça m'intéresserait qu'on aille plus loin sur des jauges plus grandes. Mais là, il va falloir s'affranchir de problématiques de rythme et d'écriture musicale. Je pense que là, il y a une réflexion à mener. Et dans la spatialisation qui est faite sur des lieux comme ça, j'essaye de faire en sorte qu'en local, ce que j'appelle en local, c'est-à-dire que pour des gens qui sont entre deux enceintes, par exemple, il se passe aussi des choses entre ces deux enceintes en permanence. Il y a des espèces de couples stéréo un peu partout pour qu'à la fois, il se passe quelque chose à côté d'eux et puis qu'il y ait des profondeurs. Donc on perçoive ces espaces avec des perceptions d'espace qui soient différentes. Et il y a aussi une chose qui est très importante, c'est les grosses caisses. Parce que la grosse caisse, sur ses formes musicales, c'est vraiment le totem, c'est ce qui va amener à cet état de transe. Il y a le côté rythmique, répétitif, bien évidemment, mais cette grosse caisse, elle est fondamentale, c'est vraiment le pilier de cette forme musicale. Donc là, par contre, elle, je la répartis partout pour que la même énergie soit à peu près pareille dans les basses fréquences. Donc la construction spatiale, elle est aussi en fonction de la construction spectrale. Ok. Merci Hervé, merci Romain. Vous restez avec nous sur cette table, une table assez fournie, parce qu'effectivement, comme le précisait Nicolas, on avait aussi envie d'associer en terre bretonne des acteurs locaux qui ont une dimension internationale qu'on ne connaît pas forcément. Mais pour continuer peut-être dans l'approche plus artistique, puisque au départ, il y a un geste, il y a une intention, j'ai envie de donner la parole à Léonore, si tu veux prendre un micro. Donc Léonore Mercier, tu es musicienne, compositrice, conceptrice, un peu technicienne. En tout cas, tu vas nous parler de ce conte musical binaural avec Arthur H, que tu as composé et enregistré, je crois, avec la complicité d'Hervé. En tout cas, Hervé n'était pas très loin. Et de cette démarche, c'est-à-dire comment, à un moment donné, on s'approprie cette technologie, parce que j'imagine que c'est pas simple de gérer ces nouveaux outils. Oui, ça marche. Donc pour me présenter, j'ai ramené quelques images, quelques photos de mon travail. Oui, on va revenir au début, puis on ne va pas mettre lecture, on va faire progressivement. moi j'ai vraiment plusieurs casquettes et notamment je suis compositrice, plasticienne et réalisatrice, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de lier tous ces médiums ensemble, autant la sculpture sonore que le cinéma pour l'oreille, et ce qui m'intéresse, c'est de sculpter le son. Donc évidemment, le son dans l'espace arrive vite. Voilà, moi j'ai fait les beaux-arts et c'est à cette époque-là que j'ai commencé déjà à travailler la matière sonore. Et donc là, je vais juste vous présenter un projet que j'ai réalisé au Frénois. C'est un studio national d'art contemporain. Et donc ça, c'est une installation sonore qui s'appelle le Damasama, et qui est en fait 24 bols, comme vous pouvez le voir, qui sont tous avec vraiment deux gammes complètes. Et n'importe qui peut rentrer à l'intérieur et par sa gestuelle jouer à distance les bols tibétains qui vont se mettre à résonner. C'est grâce à des percuteurs qui viennent frapper contre le bol suivant la gestuelle qu'on va avoir pour les diriger. Donc on peut avoir une gestuelle et jouer du note à note, ou alors avoir des gestes plus amples qui vont faire des gammes orientales ou des arpèges, enfin voilà.
Mais là, c'est vraiment une installation qui est faite pour que le public puisse interagir très rapidement. Mais si on la reconfigurait, on pourrait vraiment la transformer en véritable instrument de musique. Et là, on peut un peu voir quelques images. Et donc là, il y a une dimension assez spirituelle de l'œuvre parce qu'elle est assez imposante de par la brillance des bols et parce que ça évoque, en fait, parce que initialement, les bols servent à la méditation, à l'entrée en méditation et à la sortie. Et puis, c'est vraiment pour faire des offrandes, voilà, et donc pas utilisé pour faire vraiment de la musique. Et là, ils ont été détournés. Et pour trouver les 24 bols qui sonnent parfaitement ensemble, il a fallu chercher parmi 2000. Et parce qu'en plus, ils sont tous pas accordés à la même, à la même tonalité. Enfin, voilà, c'est déjà un travail en soi de les trouver. Et puis, on peut continuer encore. Et ce travail-là a inspiré la suite, ce pourquoi je suis venue discuter. Parce que là, voilà, y avait déjà cette forme en fait, d'environnement, de ce qui nous entoure. En fait. Pour moi, c'était vraiment un espace vital où la dimension avait vraiment son importance. Pour élaborer cette installation, j'ai vraiment d'abord, je l'ai d'abord structurée en carton. Pour vraiment ressentir physiquement la dimension idéale. Et donc là, c'est pour moi la dimension idéale pour une personne, pour interagir comme ça à distance avec les bols. Et par la suite, je compose des pièces radiophoniques, acousmatiques, qui invitent à un voyage dans le temps et dans l'imaginaire. Et pour ce faire, voilà, j'enregistre énormément de sons dans l'espace, du monde, des animaux, des objets, de la musique et toute cette matière, tout ce que peut entendre l'oreille, en fait, pas uniquement donc, les instruments et l'harmonie, va me servir comme matière pour composer et pour créer des histoires. Et donc là, j'ai rencontré Arthur H. comme ça, dans un festival à Brest. Et pour Longueur d'onde, ça s'appelle, le festival. Et par hasard, il était là. Et moi, j'avais un projet de film, j'écrivais un long métrage où je voulais qu'il joue à l'intérieur, un long métrage sur la musique. Et du coup, j'en ai profité pour lui faire écouter ce que je faisais en son. Et ça l'a vraiment inspiré pour mettre en son différemment des poèmes. Donc, pas vraiment des chansons, mais vraiment des poèmes qui peuvent être transformés en chansons, mais aussi des contes. Et il avait vraiment envie d'aller plus loin dans quelque chose de plus atmosphérique et plus cinématographique. Et du coup, il m'a proposé de mettre en son ses poèmes. Et donc, j'ai commencé immédiatement. Voilà. Donc ça, vous voyez le synesthésium. Donc on l'a appelé comme ça parce que ça vient du mot synesthésie. Donc c'est vraiment la fusion des sens. Par exemple, c'est même une maladie. On a des synesthètes qui, par exemple, quand ils entendent des sons, ils voient des couleurs. Ou quand on lit dans un c'est possible que les lettres apparaissent colorées. Donc c'est vraiment des confusions en fait. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que le son produise des images, que vraiment les pièces sonores créent en fait des images mentales. Donc le but du synesthésium, c'est de diffuser le son dans l'espace. Donc là, on est dans une coupole, un dôme géodésique. Et il y a 24 enceintes qui sont disposées sur ce dôme. Et donc, c'est en ambisonique. Et là, à l'intérieur, on voit il y a des transats où il y a 60 personnes qui sont invitées à se laisser transporter par le son dans une attitude semi-consciente.
Et en fait, on n'a pas besoin de drogue pour partir très loin parce que les sons sont déjà très, très étranges, assez fantasmagoriques. Mais le but, c'est vraiment de, par le son, rentrer dans la matière, être sous l'eau, dans les airs ou alors dans un univers totalement fantasmé. Et donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de traverser les mondes sonores. Et du coup, de se laisser de s'embarquer dans un rêve qui est en fait celui de chacun des spectateurs, quoi, qui fait son propre film. Donc, il y a une dimension plastique, en fait, de plasticien, parce que c'est vrai qu'il y a des musiciens qui n'ont pas forcément cette fibre, j'allais dire, visuelle ou sculpturale. Ça nous ramène à des expérimentations, puisque c'est quand même une discipline ancienne, que ce soit les Pink Floyd ou Frank Zappa, qui étaient à la fois aux Beaux-Arts et Zappa graphistes. Donc, cette dimension-là, est-ce que les outils d'aujourd'hui, ils prennent en compte cette dimension plastique, ou est-ce qu'on reste sur des outils de création, finalement, plutôt pensés pour des musiciens uniquement orales ? Justement, c'est une bonne question, parce que c'était en 2015-2016 qu'on a fait ce projet. Et il a fallu qu'on réfléchisse à un système pour spatialiser le son. Et mon frère, qui est aussi un compositeur de musique électroacoustique, mais qui aussi fabrique des logiciels, a tout de suite proposé de fabriquer un logiciel qui permette de spatialiser le son. Et pour une plasticienne sonore comme moi, qui n'est pas geek. Et du coup, c'est un logiciel qui me permet de dessiner le son dans l'espace à travers cette coupole. Mais du coup, là, on peut voir un peu les images suivantes. Notamment, une dernière... Voilà, ça, par exemple, c'est dans mon logiciel... J'ai tracé quelques lignes, enfin j'ai 24 pistes en tout, et du coup il peut avoir 24 sons qui voyagent en même temps. Et là, ce qui m'intéressait, vous voyez, bah, par exemple la ligne verte, elle part de l'extérieur de la coupole pour rentrer à l'intérieur et ressortir. Donc on a vraiment cette sensation que le son vient de très très loin et vient progressivement jusqu'à nous frôler, quoi. Et repartir dans notre dos. Et donc, avec cette possibilité, là, c'est vraiment, on a le son, effectivement, tout autour de nous, en hauteur. Et quand, par rapport aux compositions que je fais, qui sont très cinématographiques, c'était évident, en fait, de devoir écouter, en fait, ces pièces-là dans ce dispositif pour être encore plus immergé, parce que la stéréo, forcément, serait un peu réduite comme expérience. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vivre l'expérience et d'être dans le son. Et en fait, comme si on était en train de vivre ce qu'on est en train d'entendre, quoi. D'accord. Peut-être question à Nicolas Épin de Bicom. Sur ce geste, en fait, ce geste artistique, ce geste tridimensionnel, bien sûr. Donc, chez Bicom, vous développez des solutions logicielles qui sont des outils, en fait, de création. Quelle est votre approche côté ce qu'on appelle l'IHM, l'interface homme-machine ? Bon, alors, d'abord, je dirais que généralement, on est plutôt sur la partie, on va dire, moteur, quand même, et un peu moins spécialisé sur les IHM, bien qu'on ait quand même une équipe qui travaille pas mal sur l'interface homme-machine et ce genre de choses. Mais disons que globalement, jusqu'à maintenant, dans nos outils logiciels pour la spatialisation sonore, en fait, c'est plutôt attaché à essayer de pas troubler les gens qui sont déjà dans le métier d'ingénieur du son. C'est-à-dire qu'on a fait des plugins, des choses comme ça, qui s'intègrent plutôt dans la façon de travailler à laquelle les gens sont déjà habitués dans des studios, on va dire, classiques, et pas vraiment des choses qui sont complètement révolutionnaires sur le plan de l'interface, avec des interfaces gestuelles et tout ça. En fait, je pense que c'est indispensable qu'il y ait des gens qui se lancent là-dedans. Mais maintenant, on est aussi à un moment où il faut quand même, je pense, accélérer l'adoption de ces techniques-là, de ces nouveaux formats par les professionnels de l'audio.
Et malheureusement, je parle sous contrôle d'un ingénieur du son qui travaille avec nous, qui est là, c'est souvent un milieu qui est assez conservateur sur les méthodes de travail. Et ce n'est pas forcément très facile d'arriver avec des outils complètement différents, de dire, voilà, regardez, c'est génial, vous allez mettre un dôme avec 64 haut-parleurs. Donc, on ne peut pas toujours faire ça. Et donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je dirais que notre approche a plutôt été de faire une transition douce depuis les méthodes bien établies et des logiciels classiques comme Pro Tools et autres. De toute façon, je pense que c'est complémentaire et quelque part, la discipline est tellement complexe qu'à chacun son métier, l'IHM est une chose et votre outil de traitement et de construction de mix en est une autre. Moi, je pense qu'il y a un point important, c'est effectivement la courbe d'apprentissage parce que les concepteurs, les musiciens, les compositeurs n'ont pas forcément le même bagage technique que vous, ingénieur du son, développeur. Et j'ai envie de demander peut-être à Stéphane Dufosse, qui travaille aussi au contact des artistes, des producteurs, de chez Acoustique, Augmented Acoustique, c'est aussi une dimension très importante, c'est le live. C'est-à-dire les artistes, effectivement, en studio, peuvent avoir accès à un certain nombre d'outils. Le live, quelle est la réaction des artistes quand tu leur proposes des dispositifs? Quelle est la réaction? Est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que c'est encore très novateur et on est un peu en retard? Alors, pour bien positionner ce que nous on fait, donc nous, on est en Augmented Acoustique. C'est en fait ce qu'on a développé. C'est la possibilité pour un spectateur en concert de lui garantir qu'il est toujours placé à la meilleure place, d'un point de vue expérience sonore. Et comment ça se passe? En fait, on offre une alternative d'écoute, c'est-à-dire qu'il y a le concert qu'on vit tel que l'on vit aujourd'hui avec des haut-parleurs, mais on offre une alternative d'écoute au travers de petites écouteurs d'oreillettes. On va leur transmettre le son en provenance de la console en haute définition et en multipiste. Et donc, là-dessus, ils vont pouvoir être certains en tant que spectateurs, mais c'est pareil pour les producteurs ou les salles, d'avoir la garantie du son tel que l'ingénieur du son et l'artiste a voulu le proposer. Et ils vont pouvoir aller plus loin en termes d'expérience, puisqu'on a mis des possibilités de toucher au réglage de volume sur le multipiste, sur le réglage de volume d'ensemble. Et les personnes qu'on vise, et je vais répondre à la question, et c'est pour bien comprendre, les personnes qu'on vise, c'est à la fois des mélomanes exigeants qui vont vouloir vivre une expérience entière lors du concert, mais aussi des fans qui vont pouvoir interagir avec l'œuvre artistique, mais aussi les personnes qui aujourd'hui se bougent les oreilles quand ils vont à un concert, ce qui est quand même ahurissant quand on y pense, d'aller écouter de la musique et de se boucher les oreilles. Il y a des raisons pour ça, mais nous, ce qu'on propose, c'est juste de baisser le volume. Et puis après, ça répond aussi aux enjeux d'accessibilité, puisque des malentendants ont d'autant plus de mal à bien retrouver leur petit dans des concerts. Et donc, d'offrir des solutions qui permettent à cette population-là, c'est quand même 7 millions de personnes en France, de pouvoir vivre bien le concert. Mais effectivement, on est sur des nouveaux usages qui peuvent heurter la profession. Le milieu est conservateur, ça c'est clair. mais après, on rencontre deux types de réactions. Soit il y a des ingénieurs du son, des producteurs, des artistes qui ont conscience que l'expérience sonore que peuvent vivre des spectateurs dans une salle n'est pas toujours optimale, et donc ils sont plutôt bienveillants par rapport à cette approche. Et puis il y en a d'autres qui disent vous me dites que mon ingénieur du son ne travaille pas bien, alors que ce n'est pas du tout le propos. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on offre une alternative parce qu'on n'a pas tous la même audition, les mêmes besoins. Voilà. Mais je pense que c'est... Dans toutes ces révolutions d'usage, c'est comme quand les premiers microphones sont arrivés où on disait c'est pour les chanteurs qui ne savent pas chanter, ou quand les premiers amplis sont arrivés et qu'on disait on ne va pas rajouter de la distorsion. On est sur ces usages-là. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on va changer la manière d'écouter. On propose juste une alternative. Et après, il y a des artistes qui même s'en emparent pour faire une création artistique. Nous, on a travaillé avec Catel, qui a décidé de revisiter son œuvre avec notre technologie, c'est-à-dire qu'elle avait fait une ambiance dans une salle où les gens déambulaient avec un casque,
elle et ses musiciens jouaient sur des instruments électroniques, ils chantaient a cappella. Et quand on mettait le casque, on avait l'expérience du son tel qu'il était joué et sur lequel on pouvait interagir grâce au fader de l'application. C'est quelque chose qu'on avait fait en plus en utilisant l'ingénieur du son utilisait aussi le logiciel SPAD de l'IRCAM, ce qui fait qu'on créait des effets de changement de voix, d'immersion lors de l'événement. Merci. On a parlé du public qui est effectivement de l'autre côté de l'acte de création. Et cette réaction du public, en fait, Cathy Colomès de Orange Labs, vous la mesurez. Est-ce que pour Orange, comme un acteur comme Orange, c'est dans un souci de réfléchir à des choses au niveau de l'engagement, au niveau du marketing sensoriel, au niveau... Quelle est un peu, votre intention et votre rôle ? Alors pour Orange, ce que je peux dire de façon générique, c'est qu'on veut proposer du contenu différenciant dans nos canaux. Et le contenu différenciant en audio, c'est l'audio spatialisé. Après, on veut que le public, l'auditeur, ait la meilleure expérience possible d'audio spatialisé. Et pour ça, il y a différents niveaux. On va tester d'abord un niveau comparatif de techniques de spatialisation du son. Donc on a été amené par exemple à comparer des barres de son, différents types de barres de son ou des plates, comparativement à du 5.1, donc sans élévation, et puis après avec élévation, donc, etc., etc. Des différentes techniques de binaural aussi. Donc là, c'est plutôt de la comparaison du test un peu de technique. Et après, on va aussi comparer des choses sans vraiment système de référence. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens, on leur fait écouter des choses sur différents systèmes de restitution, différentes technologies, sans rien dire, évidemment. Et on va leur demander leurs préférences. Et là, on touche à quelque chose d'un peu sensible, qui est... Il y a une intention artistique au départ. Est-ce que les gens vont y adhérer ? Est-ce qu'ils vont préférer autre chose, un système qui va distordre cette intention ? Donc là, c'est vraiment très sensible. On n'y touche pas trop, mais on reste à l'écoute quand même de ce que peut dire l'auditeur par rapport à ça. Et justement, alors, quels sont les retours de test ? Est-ce que les gens sont prêts à adopter massivement ce type de technologie ? Parce que il y a tout un secteur qui doit se mettre en ordre de marche, quand même. On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que l'utilisateur, le consommateur ou l'auditeur est demandeur ? Alors, il est demandeur chez lui. Quand il a la place, quand il a la place, il est équipé, il a du super matériel, des super marques chez lui. Et évidemment, toute cette nouvelle offre de barres de son ou de choses comme ça l'intrigue. Parce que ça prend pas de place et il est prêt à faire ce genre de concession. Là, on est vraiment sur du grand public, dans son salon, dans son petit appart. On a quand même une niche de gens qui sont vraiment, ils sont un peu comme nous, quoi. Ils sont sensibles à l'audio et ils veulent vraiment ils veulent du son spatialisé, ce qu'il y a de mieux et qui s'adapte le mieux à son système de restitution, qui est au minimum du 5.1, mais en général, maintenant, on trouve des élévations chez les spécialistes. Après, il y a le grand public. Le grand public fait avec ce qu'il a. Et tout ça, évidemment, là, on parle de restitution dans son salon, dans son appartement. L'expérience en concert est différente. Ça, on ne teste pas encore. On fait aussi des captations pour essayer, après, nous, d'avoir de la matière pour faire du test et avoir de la matière en concert avec l'environnement, le public autour. Avec tout ça, quoi, on s'intéresse aussi à ce pan de son spatialisé. Fabien Mezzafonte de Radio France. Bonjour. Bonjour. Donc Radio France est l'un des rares acteurs radio en France, même le seul avec RFI, à travailler sur ces questions-là. On n'a pas encore de radio privée qui se soit investie dans le sujet. Pourquoi pour un groupe média, même France Télévisions, un groupe média audiovisuel, c'est important ? Et vous êtes producteur de contenu, vous êtes sur le traitement, coproduction de beaucoup de choses. Pourquoi pour un média c'est important ? Et quelle est, à votre sens, l'attente en fait, d'un public de radio ?
Aujourd'hui, en fait, chez Radio France, on s'engage dans ces directions-là sur deux niveaux. Un niveau avec l'environnement d'Hervé, qui est plutôt de l'innovation dans la direction plutôt technique. Mais l'idée, c'est que pour avancer dans ces directions-là, il faut alimenter ces recherches-là. Donc, pour alimenter ces recherches-là, il faut proposer de l'éditorial sur lequel s'appuyer. Moi, mon rôle, en fait, est d'accueillir. Nous oblige à passer par des logiciels tierces. On n'a pas encore parlé, mais il y a Unity, par exemple, pour faire du jeu 3D. Est-ce que ça reste simple quand on mixait du son et de l'image? Alors, le monde du jeu vidéo, c'est effectivement, de ce point de vue-là, est un peu en avance sur le monde de l'audio, on va dire, linéaire, dans la mesure où le monde du jeu vidéo est orienté objet depuis ses origines, on va dire, pratiquement. Mais ça reste une façon d'écrire qui est complètement différente, puisque justement, on est totalement dans l'interactivité et très peu dans la linéarité. Donc, je pense que les méthodes de travail ne sont absolument pas les mêmes. Donc, généralement, effectivement, on va quand même se servir d'outils... qui sont des outils classiques qu'utilisent les ingénieurs du son, mais plutôt pour faire le traitement des sons au départ, ou alors pour gérer les aspects de musique et tout ça. Mais en dehors de ça, après, le mixage est fait par le moteur de jeu vidéo lui-même. Mais effectivement, ça pose la question de savoir à quel moment on va pouvoir se dégager des méthodes de travail classiques qui sont plutôt adaptées justement à une écriture linéaire pour de la stéréo ou du multicanal assez basique, et aller vers des choses qui sont plus proches de ce que font les artistes quand ils peuvent se le permettre, c'est-à-dire des choses beaucoup plus intuitives qui permettent une écriture complexe et plus... Et c'est ce que vous proposez chez Bicom, d'ailleurs. Il y a une suite logicielle qui permet d'appréhender l'ensemble des médiums. Alors, effectivement, on propose une suite logicielle qui met en œuvre un certain nombre de travaux qu'on a fait au niveau du rendu ou des outils de production, mais, comme je le disais un peu plus tard, ça reste quand même... plutôt des choses qui viennent s'adapter aux outils de production classiques. Après, nous, on travaille aussi sur des outils de production, plutôt sur l'audiovisuel, sur des formats audiovisuels qui sont plus nouveaux, comme des expériences immersives audiovisuelles dans lesquelles on va pouvoir, non seulement comme la 360, tourner le regard dans toutes les directions et avoir le son qui correspond à toutes les directions dans lesquelles on regarde, mais également naviguer à travers le contenu. Donc un peu comme de la réalité virtuelle, mais à partir de captations réelles. Donc on va faire une captation avec plusieurs, voire des dizaines de caméras, plusieurs, voire des dizaines de microphones. Et ensuite, il faut arriver à mouliner tout ça pour produire un rendu pour l'utilisateur et qu'il puisse vraiment avoir la sensation de se déplacer, de changer de point de vue. C'est sur lesquels on travaille, effectivement. Il n'y a pas de produit disponible pour ça, mais c'est... une thématique de recherche sur laquelle on est assez impliqué. Oui, moi j'ai vu quelques démos qui sont assez bluffantes d'ailleurs, mais donc on attend vos outils parce que ça fera partie aussi de la démocratisation de cette écriture en réalité virtuelle ou réalité augmentée. Tout à fait. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que pour ceux qui ont accès à l'espace pro du village, on donne une démo juste après cette présentation. Ok. Vas-y, je t'en prie. Pour ceux qui sont intéressés par le logiciel qu'on a créé pour le Synesthesium, ça s'appelle Sound Trajectory. Et il y a beaucoup, beaucoup d'options dont je ne pourrais pas parler parce que c'est Maxence Mercier, mon frère, qui a réalisé. Et donc, bon, c'est assez complexe, mais parce qu'il a évolué depuis qu'on a créé le Synesthesium. Et il a fait vraiment un énorme travail dessus. Et c'est notamment un logiciel qu'on peut utiliser sur plusieurs autres logiciels, donc Pro Tools, Cubase, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à aller voir sur Soundtrajectory. Et c'est sur le site tripinlab.com. Ok, on va essayer de le montrer à l'écran. Et voilà. Et sinon, le Synesthesium, on peut aller voir aussi le site internet. Et j'ai aussi un site internet sur mon travail en général, leonormercier.com. Voilà. Ok. Cathy, sur la partie VR, je sais qu'Orange est assez engagée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est dans la poursuite de ce travail sur le son, finalement, et des publics. Tout à fait. On s'intéresse forcément à l'évaluation de la qualité d'expérience, cette fois-ci du spectateur qui n'est non plus que auditeur. Donc il y a forcément de toute façon un pan audio
Et il y a aussi, on ajoute le pan vidéo. Pour ça, on a fait des captations 360, donc vidéo 360 et le son spatialisé. Et maintenant, on se lance dans l'évaluation de ces deux médias ensemble. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand je parlais des tests, en fait, on est arrivé à on a fait un pas supplémentaire en rajoutant un support image. Donc, on n'évalue pas la qualité d'image, mais l'image sur un écran assez conséquent permet de lever l'ambiguïté sur le déplacement du son, image corrélée au son évidemment. Donc, si dans l'image le train arrive à droite et qu'on l'entend arriver à gauche, dans l'évaluation, ça c'est un truc évident, mais voilà, on intègre de plus en plus d'images dans nos évaluations du son spatialisé et effectivement tout ce qui est 360 en fait partie. Quoi. Et Fabien, Radio France, l'AVR, quelle est l'approche après toutes ces expérimentations? Est-ce que c'est un axe de développement? L'AVR, on a produit dernièrement deux programmes. Un programme musical, en fait, basé sur un contenu musical qui est un documentaire, l'enregistrement d'une œuvre musicale et donc une déclinaison en VR, une proposition en VR sur le compositeur Jacinto Chelsea, qui lui-même pensait la musique comme un son sphérique. Donc on avait tous les éléments au départ pour travailler sur ce sujet-là. Ce qui a donné lieu à un enregistrement avec le chœur de Radio France, l'orchestre philharmonique dans l'auditorium, avec l'aide de Bicom notamment, pour faire ensuite un travail en mixage ambisonique qu'a réalisé Hervé, et de l'image. Donc là, il y avait des enjeux également aussi qui ont été... Hervé en parlera mieux que moi, mais les enjeux justement de la perception, du rendu et de la manière dont on s'immerge, la position qu'on a, qui on est dans une histoire comme ça, est-ce qu'on est spectateur, est-ce qu'on est acteur, où est-ce qu'on se place, etc., etc. Comment on se fait téléporter d'un point à un autre dans l'histoire. Tout ça joue de la... En fait, là pour le coup, le contenu et le contenant sont intimement liés pour justement analyser et voir comment réagit le public à ce type de proposition. D'autant plus que le rendu VR aujourd'hui en image reste quand même encore assez moyen, on va dire, visuellement parlant. Il peut être très très bon en termes d'audio, mais il est encore assez moyen au niveau des yeux. Donc ça crée encore un décalage. On espère qu'un jour tout sera super au même niveau pour que ça fonctionne bien. Et un autre sujet, c'était sur en VR un film d'animation. Où là, il y avait un enjeu très différent parce que c'est de l'animation, c'est du dessin. Donc, on n'est plus dans une perception d'une réalité visuelle. Donc là, les choses se racontent d'une manière très, très différente. Donc, on continue dans ce sujet-là parce que ça permet aussi d'avancer sur les questions de son ambisonique et d'aller encore plus loin dans l'immersion. Ok. Est-ce que chez Radio France, au-delà de la musique, on réfléchit à ces techniques de son aussi pour... d'un point de vue journalistique, parce qu'on sent bien qu'il y a un intérêt effectivement pour placer l'auditeur un peu au centre des choses, pour qu'il participe, pour qu'il soit engagé, comme on dit. Est-ce que c'est aussi une piste sur laquelle vous travaillez? Alors ça, c'est en dehors de mon spectre à moi, parce que c'est les choses journalistiques. Mais oui, je crois qu'il y a des expériences qui sont en cours, autant sur l'image que sur l'audio. Hervé, peut-être sur l'audio, il y a des volontés de faire des captations qui soient immersives sur le plan avec les journalistes. On est aussi en train de réfléchir à une expérience en mode orienté objet, parce que l'objet permet d'avoir une interaction avec la narration. Et là, on réfléchit à des sujets où on aurait différents intervenants et on pourrait aller d'un intervenant à un autre dans une même scène sonore. Voilà. La complexité, c'est que on a affaire là à des gens, à des professionnels qui sont mais en short time tout le temps, quoi. Ça court, et c'est très très dur. Et pour mener ce genre d'expérience, il faut prendre du temps.
et on a énormément de temps de problèmes avec les rédactions à avoir le temps nécessaire avec les journalistes, parce qu'il faut quand même une belle écriture, il faut des gens qui connaissent le terrain, parce qu'il faut réfléchir aux problématiques de terrain, parce qu'il y a aussi le fait de la captation, et la captation sur le terrain pour un journaliste, c'est pas celle qu'on a dans un studio, enfin bon bref, dans un domaine artistique. Et ça, c'est à prendre en compte, et c'est ce qui rend les expérimentations un peu complexes. C'est le problème de temps. Le temps d'argent, enfin bref, ce que vous connaissez. Donc là, aujourd'hui, on creuse. Mais il y a une volonté à Radio France de creuser ce sujet parce que l'objet arrive et que là, l'objet va permettre en plus de s'adapter aux usages, de proposer de nouvelles formes narratives, de s'adapter au temps, à la disposition, au mode d'écoute de l'utilisateur. Et la direction de Radio France est convaincue qu'il faut qu'on travaille sur ces sujets. Donc oui, on y va pour répondre à ta question. Merci. On va peut-être prendre quelques questions avec la salle. Bonjour. Bonjour. Je suis Rodolphe et je suis ingénieur du son. Moi, j'avais une question. Alors, je vais rebondir d'abord sur ce qu'a dit Hervé, parce que moi, je travaille aussi dans la musique à l'image. Je suis un mixeur. Et effectivement, il y a toute cette histoire de temps, argent. Et est-ce que, moi, j'avais une question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura le temps et l'argent de pouvoir faire du binaural pour la télé, par exemple ? C'est un média qui est le plus grand. Et je voulais savoir s'il y avait la possibilité un jour d'y arriver. Parce que pour vous dire, juste pour vous dire, les timings qu'on a, par exemple, moi j'ai, on va dire, pour un film, mix à la musique, j'ai 4 jours de mix pour à peu près 40 minutes de musique. Autant vous dire, et en multicanal. Donc autant vous dire que c'est peu. Donc je voulais juste savoir si vous pensez que ça peut arriver. Alors je ne sais pas qui. Il y a deux aspects dans ta question, Rodolphe. C'est. Le premier aspect, je pense qu'une partie des solutions vont apparaître avec notamment l'objet, puisque l'adaptation du mix, alors quand on travaille aujourd'hui sur un 5-1 ou sur des formats atypiques, avec le rendu binaural, les outils, Nicolas l'expliquait très bien, il y a un problème d'intégration, il y a un problème de culture, donc là, il y a un gros problème de formation, ça c'est clair, mais l'objet va résoudre le problème, parce que de toute façon, l'objet, dans son essence, c'est de s'adapter à l'usage à partir d'un format qui a été déterminé par la production. Donc, tu fais la production, le format de production que tu veux, et à la fin, ça s'adapte à l'usage. Donc le binaural, tout ça, ça s'adapte. Bien évidemment, ça ne va pas être si miraculeux que ça, comme d'habitude, c'est un outil. Mais avec l'expérience, comme aujourd'hui, quand tu fais un mix stéréo, la mono, quasiment, tu n'as plus besoin de l'écouter parce que tu connais par cœur ce qui va se passer. Il y a 40 ans, ce n'était pas la même. Il y a 40 ans, c'était une découverte. Découverte par les micros, une découverte par la position, par le mélange, par l'assemblage, enfin bref, tout ce qu'on connaît. Et il fallait faire attention à la mono. Moi, à la radio, la mono, je l'écoutais de temps en temps pour vérifier. Je n'ai pas oublié un truc, mais ça marche quasiment systématiquement parce qu'on a cette habitude et cette expérience. Et je suis sûr que dans les domaines de l'immersion et les domaines objets, ces problèmes-là vont se résoudre d'autant plus que dans l'expérience du mix multicanal, quand la difficulté, en fait, ce n'est pas de passer d'un 22.2 à un 5.1, ça marche toujours. Le résultat est toujours bon à 90% des cas. Ça va être plutôt du 5.1 à la stéréo, du 22.2 à la stéréo et à la mono. C'est là les deux formats. Et aujourd'hui, on commence à faire des tests, nous, en objet, et les résultats sont assez bluffants, quoi, sur des choses qui ne sont pas encore ajustées, avec encore un manque d'expérience de notre part. Donc, ces problèmes de temps vont se résoudre. Parce qu'effectivement, pour des gens comme toi qui êtes dans des... vous êtes dans le short time de l'économie, quoi. Il faut aller vite, il faut produire. Et même si on apporte des choses nouvelles, ce n'est pas pour autant que le client il veut mettre des sous en plus. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est, par exemple, on est bien d'accord. Si par exemple on prend le cinéma, tous les films en Atmos en ce moment sont financés par Dolby et non pas par la production. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème d'argent et que, alors effectivement, il y a des ingénieurs qui veulent le faire, et moi le premier, hein, qui serait prêt à mixer même en 52.2, si on veut. Hein. Mais le problème, c'est effectivement le temps et puis l'argent. Et là, moi, j'ai un souci avec ça, parce qu'effectivement, le développement technique va très vite et que derrière, on a plutôt tendance à ralentir au niveau de la production. Donc, est-ce qu'il y a... après, je pense que personne n'a la réponse. Hein, mais la convergence des... C'est une constatation que je fais. Hein, la convergence des outils, l'amélioration des outils, l'adaptation des outils, la meilleure connaissance de ces formats, plus l'expérience dans le domaine professionnel, vont faire que les choses vont aller de mieux en mieux. Oui, bien sûr, parce que l'outil va s'améliorer, donc on va aller plus vite. Et toi, tu maîtriseras de plus en plus, et hop, ça va rentrer dans des temps qui seront compatibles avec l'économie des productions. Non, mais on l'a un petit peu abordé, mais c'est la question de passer du prototypage à l'industrialisation. Je pense qu'on n'a peut-être pas le temps d'aborder ce point,
Mais clairement, dans le workflow, on a une marge de progression, comme on dit pudiquement. On part de très loin quand même. Peut-être une autre question ? Oui. Bonjour, je suis Fabrice Jallet du Pôle Musique Innovation à l'IRMA. C'est pour rebondir sur la question de Rodolphe et peut-être une piste, parce que là, vous évoquez les questions techniques. Vous connaissez Lidwin Ho qui travaille chez France Télé sur ces questions. Et il y a des problématiques qui sont liées en effet à la technique, mais ce qui me paraît a priori le plus compliqué, c'est de définir le média VR et d'écrire pour le média VR. Là, j'ai l'impression que ça prend peut-être même plus de temps que la technique elle-même. La problématique de la VR, c'est qu'il y a deux aspects. Premièrement, il faut écrire pour l'image qu'on ne voit pas et qu'on est censé voir. Écrire pour amener à aller voir ce qu'on a envie d'aller faire voir, attirer l'attention. Donc il y a une relation entre l'écriture spatiale, le son dans sa dynamique et l'image. Vous avez entièrement raison. Et puis après, arrive aussi l'écriture de l'interactivité. Parce que ça, c'est aussi un axe d'écriture. Et là, vous mettez le doigt. Alors là, par contre, c'est plus de la technique. Vous avez entièrement raison. C'est de la narration, c'est de l'écriture spatiale. C'est de l'écriture de relations entre les sens et de comment on veut guider ou ne pas guider de l'interactivité. Parce que le simple fait de donner la capacité à interagir avec un événement dans un lieu et puis couper cette interaction, déjà, est une forme de création. Et là, il va falloir mettre de l'argent. Là, c'est clair, il va falloir mettre des gens qui travaillent sur ces sujets, développer aussi les outils qui permettent d'avancer là-dessus. Mais il y a toute une forme d'écriture qui va demander beaucoup de temps. Ça va demander beaucoup de temps et beaucoup d'expérience. Ouais, je suis d'accord. Allez-y. Oui. Alors, Romain Muller, je suis régisseur son, notamment dans des festivals de musique contemporaine. Et compositeur dans un projet qui s'appelle Runny Noise, où on spatialise, on fait un concert sur bande sonore surround, qui est en fin de création là en ce moment. Ça m'intéresse vachement tous ces sujets. Pour moi, on est vraiment à une période charnière qui est super intéressante, dans le sens où il y a encore 10 ans en arrière, je me rappelle d'accueillir de manière régulière l'IRCAM et des structures de ce type dans des festivals de musique contemporaine, et de me dire, et d'avoir des échanges avec eux, de dire c'est dommage d'être, en termes de contenu, limité à ce type de composition. Et finalement, on saupoudre juste avec des choses qui n'atteignent pas le public, ou qui atteignent vraiment un public très, très serré, type tout ce qui est SACD, DTS, où on a du Pink Floyd, du Björk, ça va jusqu'au Buena Vista Social Club, qui est mixé en surround et qui est très intéressant, mais les gens n'avaient pas la possibilité, enfin la plupart, d'installer du 5.1 comme il faut chez eux, et on a tous vu les 5 enceintes qui sont posées devant sous l'écran de projection, donc il ne se passe pas grand-chose. Et pour moi, il y a quelque chose qui me donne vachement d'élan dans cette période, et de vous entendre parler, de voir des structures et des sites comme Nouveau Son il y a quelques années qui se sont mis en place, aujourd'hui, tout ce qu'il y a autour de la VR et tout ce qu'il y a autour du binaural qui reprend un peu son essor, ça me donne vachement d'envie et d'espoir sur ce qu'on va pouvoir faire et les temps de production. Est-ce que les gens vont être prêts à financer, payer, acheter, et la valeur qu'ils vont voir, le côté barre de son, le côté casque, le côté, c'est toutes des choses qui sont accessibles à tout un chacun. Il suffit de mettre un casque, si le logiciel derrière est bien fait, c'est assez facile. Et des structures comme Orange qui vont dans ce sens-là aussi et injectent, croient en ce type de projet, je trouve ça juste formidable, autant sur le plan artistique que sur le plan technique. Et je pense qu'on est, de ce que j'en vois, en tout cas, on est vraiment une période charnière, et on n'est plus dans des choses frustrées comme à l'époque du SACD ou du DTS, à se dire j'ai un super système chez moi avec une super collection de choses que j'aimerais faire découvrir à plein de gens, mais à part en les faisant venir chez moi, il n'y a pas le moyen de diffuser ces choses-là. Et pour revenir rapidement à ce qu'il disait autour du rap, notamment, c'était un exemple parmi tant d'autres, mais je trouve qu'on a maintenant une force, c'est qu'on peut typiquement avoir un concert d'Hadouk Trio en binaural, il y a une ouverture qui est juste folle, et toute la partie demande et toute la partie financement, je pense, va peut-être mettre du temps à arriver. Mais je vois une issue, en tout cas, ou des possibilités concrètes dans les,
dans les années qui viennent, quoi, que j'ai jamais vu jusqu'ici, et je trouve ça formidable. Et voilà, je voulais vous remercier pour tout le boulot que vous faites, chacun. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est vous, parce que c'est vous qui me payez, donc tout va bien. Et mais c'est un juste retour des choses. Je fais ce trait d'humour parce que c'est un juste retour des choses. Et effectivement, je pense que ça, c'est le rôle du service public, d'immiscer des voix, de donner la capacité à lancer un mouvement, de voir un peu là où on peut aller, et puis de montrer comment on peut y aller. Et puis après, voilà, la diversité s'en empare et ça part. Et ça a toujours été au niveau de la direction numérique. C'est vraiment l'ADN qu'il y a au niveau du département numérique. C'est justement de voir ces choses-là, de prendre le temps de les creuser et puis de les montrer. Et le numérique nous permet ça aussi. Parce que quand vous parlez de cette avancée sur le son, c'est aussi parce que le web nous permet aujourd'hui de distribuer ça. Avant, les technologies de diffusion ne nous le permettaient pas. Donc, voilà. Il y a un enjeu dont on n'a pas parlé. C'est le médium final quand même aussi sur ces logiques-là. C'est que pour que ça arrive à bien se démocratiser, aujourd'hui, les jeunes, on voit beaucoup de personnes écouter de la musique au travers d'une enceinte Bluetooth. Donc en fait, ils écoutent de la musique en mono. Voilà. Passer à de la musique en stéréo, donc ça veut dire qu'il faut deux enceintes. Là, pour écouter de la musique en binaural, il faut des systèmes, soit une écoute au casque, soit des systèmes particuliers. Donc la problématique du médium n'est pas anodine dans tout ça. Alors est-ce que ça veut dire que quand un artiste fait de la composition, il faut qu'il prévoie mono, stéréo, binaural, et l'utilisateur, en fonction de comment il écoute, il va choisir. Mais l'enjeu du médium final est quand même super important, parce que même s'il y a 60% des gens qui écoutent au casque, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de personnes qui écoutent la musique sur une enceinte Bluetooth, quoi. Et c'est le mode d'écoute le plus important. Enfin, aujourd'hui, on vend plus d'enceintes Bluetooth que d'enceintes stéréo classiques, quoi. Alors peut-être pour finir sur cette démocratisation, parce que c'est quand même ce qui va accélérer le mouvement, vous avez fait une expérience dans le sport, peut-être que tu peux nous en dire un mot. Oui, alors c'est important aussi de regarder tout ça au-delà de la musique. Nous, comme on fait du multipiste, on travaille en ce moment avec un grand club de Ligue 1 sur offrir une expérience immersive. J'y ai repensé par rapport aux aspects journalistiques, où on va pouvoir offrir plusieurs types de commentaires. Donc on va pouvoir choisir le commentaire qu'on souhaite. Si par exemple on est à Rennes et puis qu'on n'a pas envie d'entendre les fans de l'équipe adverse, on a juste à les enlever. Donc de revenir à une expérience, puisqu'aujourd'hui, on a l'habitude d'écouter la radio, on a l'habitude d'écouter la télé, on a des commentaires, on a tout plein d'informations, mais quand on est dans un stade, on n'a pas ces informations. Et potentiellement, et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est vraiment des alternatives d'écoute. On n'est pas en train de dire qu'on va équiper tout le monde comme ça. Mais une personne qui a envie d'avoir le commentaire, qui avait envie d'avoir une expérience en plus, par exemple, un ancien joueur d'un club qui va apporter un commentaire spécifique, une expertise, va peut intéresser une partie du public. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi. Et qui sont d'autres moyens de faire rentrer les gens dans cette interactivité et l'immersion dans les événements. Alors, mentionnez aussi les plus jeunes qui s'amusent à faire des podcasts ou des vidéos en ASMR, qui est encore une autre façon de s'approprier la technologie. Donc, ils sont ces contenus chuchotés et qui connaissent un succès de plus en plus grand partout dans le monde, pour être même interdit en Chine, puisque jugé indécent, voire pornographique. Donc je vous laisserai tester ces nouveaux formats ASMR. Mais c'est tout à fait intéressant d'avoir effectivement des gens qui ont moins de 30 ans, qui s'achètent un micro binaural et qui se lancent finalement dans la réalisation, l'écriture, la conception de n'importe quel sujet, que ce soit de la relaxation à d'autres choses. Donc peut-être c'est aussi un bon signe de cette démocratisation. Et sans oublier la 8D. Alors, je pense que tu vas nous en parler tout de suite. Alors, si vous avez ouvert YouTube, tapez 8D, vous verrez que vous avez plein de morceaux. Et en fait, c'est tout simplement un effet de binauralisation. En fait, c'est un morceau qui est pris, qui est spatialisé. En fait, on fait juste tourner le morceau autour de soi, en fait. Et ça marche bien parce que, justement, c'est dynamique. Et donc, ça permet de supprimer certains problèmes de la binauralisation sur casque classique. C'est-à-dire quand on n'a pas de suivi du mouvement de la tête de l'auditeur. Voilà, en fait, c'est tout, mais ça montre qu'effectivement, il y a un grand enthousiasme de la part des jeunes générations pour ce type de choses. Oui, c'est assez. Moi, j'ai été très surpris quand j'ai vu paraître 8. Parce que, comme nous, on fait du 8 pistes,
quand j'ai vu paraître 8D, je me suis dit, tiens, il y a des gens qui sont en train de travailler sur des... Nous, on a dans nos cartons le fait de localiser les sources autour de la tête. Et quand j'ai testé, j'étais hyper déçu. Je me suis dit, ah, c'est juste ça, quoi. Mais quand on voit les réactions des gens, alors que c'est juste, entre guillemets, ils ont juste, on promène la source autour de la tête, et qu'on voit comment... On voit qu'il y a une appétence, alors que finalement, c'est assez basique ce qui a été proposé. Pourquoi l'idée ? Je ne sais pas. À creuser, peut-être un... Non, j'ai pas. Je voulais réagir sur les questions de démocratisation, de distribution, oui. Parce que souvent, les industries culturelles se développent par la distribution. C'est vrai qu'il n'y a pas encore en France un marché domestique extrêmement répandu. Évidemment, l'Oculus, depuis qu'ils ont sorti ce dernier casque Caracol en tête, PlayStation. Mais il y a également des nouvelles pratiques qui se développent avec MK2, par exemple, qui recrée des salles d'arcade. Et il y en a même plusieurs. Et ça va se répliquer également des modèles un peu comme ça, des espaces collectifs de découverte de contenu. Je sais pas si vous discutez avec des diffuseurs, parce que là, MK2, donc gestionnaire de cinéma, qui finalement se dit, tiens, voilà un nouveau média dans lequel ils ont également envie de se développer. Est-ce que vous discutez les uns les autres avec des, je sais pas, ça pourrait être Pathé, ça pourrait être d'autres distributeurs. Disons que, enfin, pour parler pour moi, je pense que la VR est une partie, une composante en fait, de la problématique d'écriture et de distribution dont on parle là. Et je pense qu'il y a de grandes attentes, mais ça prend un certain temps. Et même la voiture embarquée, ce sera un habitacle spatialisé. Enfin, Radio France, vous avez travaillé aussi avec des constructeurs automobiles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là un espace de démocratisation qui pourrait s'ouvrir ? Non, mais bien évidemment, les choses sont en train de se mettre en place. Donc là, nous, il y a une espèce d'appétence et d'impatience. Mais les choses se mettent en place. Je peux dire que je me suis mis moi au son immersif dans les années 2004. Et aujourd'hui, c'est une révolution, quoi. Et c'est pas passé tant d'années que ça. Aujourd'hui, ça y est, ça peut arriver chez tout le monde. Aujourd'hui, tous les opérateurs quasiment télécoms offrent une barre de son ou en tout cas de quoi recevoir. Il y a des acteurs, notamment dans le domaine de la production, qui poussent très fort, notamment Netflix, sur ces vecteurs-là. La voiture, il est évident dans les années qui viennent, la voiture qu'on ne conduit pas, eh bien, on va y vivre. Et il faudra pouvoir être connecté, écouter, entendre, jouer, interagir, travailler. Ça va être aussi ça. Donc il est évident que tous ces médiums, enfin tous ces moyens de distribution de l'audio immersif sont en train de se mettre en place. Maintenant, nous, je pense que notre travail, il est de réfléchir maintenant à qu'est-ce qu'on raconte avec ça. Le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, il est là. Et après, c'est de le faire connaître. C'est pour ça que les approches, notamment sur la musique électronique, moi, j'y crois beaucoup. Parce que la musique électronique est une musique populaire. Que sur le plan culturel, on peut se permettre beaucoup de choses dans la spatialisation. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas d'a priori de la part des compositeurs. Je n'ai pas rencontré de frein chez les gens avec qui on a travaillé sur toute la série séquence. Il y avait une envie et même une curiosité. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait une sacrée réception de la part des auditeurs. Séquence a fait un petit succès d'estime. Et puis, moi, j'étais vraiment halluciné sur les lives qu'on a fait, le dernier Orex, de la réaction sur le simple déplacement d'un son dans l'espace, quoi. J'étais moi-même très, très surpris et agréablement surpris. Donc aujourd'hui, à nous de faire connaître ça, de faire connaître le beau qu'est l'espace et ce que l'on peut en faire. C'est pour ça que des gens comme Léonore, Romain et plein d'autres, tout ce travail qui se met en place est de longue date, hein, parce que nous, on n'a pas inventé la Lune, hein, le GRM, bref, ça fait des années. Et puis l'homme a souvent, il y a eu plein de périodes dans l'histoire où ça a travaillé sur la spatialisation dans le domaine de l'art. Mais là, aujourd'hui, voilà, c'est à nous de creuser ça et de le faire savoir, avec des résistances économiques, enfin, les contextes dans lesquels on est, les difficultés sont là. Mais enfin, moi, aujourd'hui, il n'y a qu'à pousser. Hein. Si je veux résumer la situation, ça marche tout seul. Quoi. Je suis un peu impressionné par la vitesse d'accélération du phénomène. Les deux questions de fond, en fait, alors on va plus parler, enfin, je suis plus d'un côté business, parce que c'est quel est le go-to-market de ce genre de technologie, comment on arrive à les développer, et c'est pas forcément sur les usages qu'on a imaginé au départ. Enfin, nous, pour nous, chez Augmented Acoustics, c'est des vrais enjeux, parce que c'est un peu les enjeux de toutes les startups, hein, c'est on part sur une idée, et puis après on se dit, ouais, mais pour arriver là, il va pas falloir qu'on passe par là. Donc, quel est le go-to-market pour qu'à un moment,
ça soit l'usage qu'on avait imaginé qui soit choisi. Et puis après, c'est comment on fait le déploiement à l'échelle. Hein. C'est passer du marché de niche où on fait des choses qui sont super sexy, qui font de l'enthousiasme, pour que derrière, ça crée un business qui soit profitable pour tout le monde. Et c'est aussi des vrais enjeux qui sont essentiels pour le développement de ce genre de technologie. En tout cas, je voulais vous remercier à tous, remercier surtout les trans, parce que les trans, c'est le premier festival à s'intéresser à ce genre de débat. Et peut-être l'année prochaine, on pourra avoir des choses à entendre et à vivre. En tout cas, on va y travailler avec eux. Remercier Bicom qui a permis l'organisation de ce débat. L'ensemble des intervenants aujourd'hui, je pense qu'on pourra en parler toute la nuit entre passionnés. Ce que je vous propose, c'est peut-être de switcher sur le Liberty, l'autre espace côté espace pro, pour suivre les expérimentations et vivre justement des choses que nous ont préparées à la fois Augmented Acoustique et Bicom. Alors oui, ils peuvent tout à fait en dire un petit mot. Juste ce que je voudrais dire, c'est qu'on termine en fait la série des webinars aujourd'hui. Donc il y en a plus d'une dizaine qu'on a effectués sur toute l'année. Et on donne bien sûr rendez-vous à tous au Salon de la Radio et de l'Audio Digital en janvier à la Villette sur 3 jours, donc, où on aura des débats, des masterclass et beaucoup de choses, notamment sur ces sujets-là. La discussion se poursuit. Oui, alors nous, ce qu'on va vous proposer comme démonstration aux libertés, c'est de vivre l'expérience supra-live, sauf qu'on n'a pas de groupe qui joue. Donc on aurait été ravis de le faire sur un vrai live. Mais en fait, donc, on va avoir un PC qui va jouer un morceau. Et sorti de là, après, vous êtes exactement à la configuration de ce qu'on fait quand on fait des festivals ou quand on fait des concerts. C'est-à-dire qu'on a notre émetteur qui récupère ce flux multipiste, qui l'émet, et vous allez pouvoir vous-même après interagir, c'est-à-dire régler le volume, accéder à une égalisation haute précision. Et la cerise sur le gâteau qui bluffe toujours les gens qui testent le service, c'est cet aspect d'accès au multipiste qui fait que vous voulez écouter votre guitariste préféré, vous pouvez, quoi. C'est assez bluffant. Voilà. Et quant à nous, on va montrer deux exemples de vidéos 360 musicales spatialisées. Donc en gros, il s'agit d'être immergé dans une scène musicale avec des sources sonores qui sont spatialisées. Un casque VR. Avec un casque de VR, tout à fait. Alors, il y a un morceau de Fanfara, il y a un autre qui est un morceau de Bernard Lavillier avec des invités qui sont des artistes africains. C'est une vidéo qui a été produite par RFI Labo. Super, merci beaucoup. Merci à tous. À l'année prochaine. Le projet ensuite a été effectivement de dire créons des résidences, organisons des choses pour que le projet du son immersif et pour aller plus loin justement dans l'expérience et l'offre à un public, c'est de travailler la matière même selon les critères connus aujourd'hui de l'immersion. L'étape d'après a été l'étape live qui a été expliquée tout à l'heure. Donc aujourd'hui on est plus dans ces démarches. On s'appuie sur l'éditorial pour pouvoir aller plus loin. On ne fait pas simplement de la mesure et de la recherche technique. Et c'est quelque part une exception qui nous permet d'avancer dans cette direction-là. Quoi. Vous n'avez pas fait des études ou des enquêtes panel pour voir si sur une population donnée... effectivement, il y a une appétence. Est-ce que demain, on va écouter France Inter en binaural? Est-ce que c'est prêt? Est-ce qu'on aujourd'hui, est la question, c'est de savoir... Est-ce que c'est utile d'écouter France Inter en binaural? Est-ce que c'est utile d'écouter la musique en binaural? Peut-être plus. La fiction, certainement. Le documentaire aussi. Il reste beaucoup de chemin à faire encore. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une logique d'expérience. On expérimente des choses... On n'est pas en train de définir des axes des règles à appliquer plus tard. On est en train de défricher, même si on est déjà assez loin dans le défrichage sur certains aspects. On continue, on défriche. Si je peux ajouter quelque chose sur ce sujet-là, Bicom, nous, on a participé à un projet européen d'assez grande ampleur qui s'appelle Orpheus, qui était un projet auquel a participé dans une moindre mesure Radio France, mais quand même. Qui visait justement à définir les contours de la radio orientée objet, donc on parlait Hervé un peu plus tôt,
Et à la fin de ce projet, on a fait des tests utilisateurs, à la fois chez nous et à Bicom, et en Allemagne par Fraunhofer et d'autres gens comme ça, et la radio publique bavaroise. Et en fait, un des résultats un peu surprenants de ces enquêtes, c'est que justement, on a eu des retours très positifs sur la binauralisation. Il faut savoir que c'est quelque chose qui, jusqu'à une date récente, souvent dans les études, n'était pas forcément très positif. C'est-à-dire que quand il y avait des papiers de recherche, on demandait aux gens s'ils aimaient, s'ils étaient en tout cas à ce sujet-là, etc. Souvent, ils ne répondaient pas nécessairement positivement. Et là, dans les deux endroits, en Allemagne comme en France, les gens se montraient très enthousiastes dans leurs réponses à ce sujet-là. Donc il y a peut-être aussi une question de maturité, d'évolution aussi culturelle. Mais visiblement, il y a quand même une appétence pour ça et puis pour les aspects d'accessibilité aussi, dont on parlait un petit peu plus tôt. Excusez-moi, Nicolas, je crois que vous posez une question. Entre ces deux études, celle qui, justement, il n'y a pas vraiment, puis maintenant, oui, effectivement, vous avez identifié les variables qui font que la perception a changé. Je pense qu'il y a une question de contexte dans lequel a été fait le test. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'un test réalisé sur une app qui a été développée dans le projet, qui était très bien finie, avec une belle interface, où les gens pouvaient écouter différents contenus, tout ça, switcher très facilement entre l'un et l'autre. Et donc, je pense que... c'était dans un environnement qui les mettait plus en confiance déjà du point de vue de l'écoute. Ils pouvaient déjà s'imaginer utiliser ce type de matériel-là. Et je pense que si on a passé un petit cap aussi du point de vue de la qualité tout simplement du rendu, qui est beaucoup plus transparent aujourd'hui, beaucoup mieux fait, notamment grâce aux recherches qui ont été menées dans Billy et d'autres projets du même genre. De toute façon, dans un sujet aussi innovant, on est souvent entre la poule et l'œuf, c'est-à-dire à savoir, il n'y a pas de contenu, donc il n'y a pas forcément de public, inversement. Donc je redonne la parole aux artistes, à savoir, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui il y a des formations ? Est-ce que l'industrie musicale a compris l'enjeu ? Est-ce qu'elle sait aujourd'hui que 60% des gens écoutent la musique numérique au casque, c'est-à-dire compatible avec les formats binauraux ? Est-ce qu'ils savent que YouTube peut héberger des fichiers binauraux, etc., etc. ? Ou est-ce qu'ils sont très seuls en tant qu'artistes ? Je me sens pas seule, mais par contre, je pense que pour l'instant, de mon point de vue, il est. Ça fait longtemps qu'on peut étudier la musique spatialisée, si on fait de l'électroacoustique, mais bon, c'est une niche particulière, quoi. C'est quand même assez élitiste, mais et très minutieux, etc. C'est vraiment. Considérer le son de manière très fine. Et effectivement, bon, par exemple, la pop ou du rap et tout ça, il y a quelque chose plus de, je sais pas, où il y a moins besoin d'espace quand même. Alors, ça peut être juste très très simple en fait, la spatialisation dans cette musique, parce que c'est vrai que dans l'électroacoustique ou dans ce que je peux moi composer, c'est pas répétitif, c'est évolutif sans cesse. Donc on est continuellement dans, justement, il y a une histoire, un scénario dans l'espace. Alors que si on met en espace, par exemple, une musique, j'imagine par exemple du rap, peut-être que le mouvement il serait pas forcément intéressant. Faudrait juste mettre dans l'espace, quoi, et que ça reste figé ou voilà. Mais des formations, ça reste technique et pour les artistes, c'est plus les compositeurs d'électroacoustique, je pense, pour l'instant. Alors, électroacoustique, oui, on va demander le retour de Romain, mais il y a quand même tout un pan de la musique qui est la musique de film, qui a intégré toutes ces technologies, puisque la musique de film est au service, effectivement, d'un film, donc dans un format cinéma où on est en 7.1. Donc, il y a eu un apprentissage de tous ces compositeurs qui peuvent faire de la musique électroacoustique, mais aussi. C'est plus les mixeurs là, qui vont mettre dans l'espace que les compositeurs. Sur la composition, si on est sur les modes de composition classiques, entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif, mais qu'on retrouve essentiellement la musique de film, sauf les films, on va retrouver des compositeurs sur des formes beaucoup plus récentes, où là, il y a une créativité sur l'espace. La musique classique, en général, elle est conçue sur le concept de la fusion des timbres entre les instruments. Le compositeur cherche à mélanger les timbres, à les positionner un peu dans l'espace sur un plan frontal. Il n'y a pas de recherche de mouvement. Alors, pas tous, hein, je fais une généralité, là, j'englobe. Mais il y a cette problématique, on a une réflexion justement là-dessus.
Moi, j'essaie de voir un peu dans l'histoire de la musique. Et sur la musique classique, on s'aperçoit que, je crois que c'est le traité, je ne veux pas dire, de Berlioz, sur le, justement, sur le, l'orchestre. Et ce n'est qu'une approche qui est spectrale, la fusion des timbres, le mélange des timbres, c'est les couleurs, les masses sonores. Mais il n'y a pas cette notion de mouvement. Enfin, en tout cas, elle n'est pas détaillée, elle n'apparaît pas franchement. Et pour rebondir, aujourd'hui, il faut effectivement, mais c'est une nouvelle donnée, c'est d'intégrer l'espace dans sa composition, dans sa création, donner du sens à l'espace. À quoi me sert l'espace ? Stackhausen a, et là on a eu affaire à des visionnaires, hein, Stackhausen, Pierre Boulez, Pierre Schaeffer, mais Stackhausen a une phrase très intéressante, lui disait, mais le prochain siècle sera l'écriture de l'espace. Et l'écriture de l'espace en musique sera extrêmement important. Mais ça rajoute quelque chose d'extrêmement complexe, parce qu'on est dans une matrice à plusieurs dimensions. L'harmonie, le timbre, parce que la musique électroacoustique a amené la notion de timbre et de matériaux. Donc là, aujourd'hui, c'est un matériau qui est très compliqué, tu vois, et ça demande beaucoup de temps. Et pour répondre aussi à ce que tu disais, je pense que le binaural, enfin tous ces aspects-là, pour moi, ils amènent le beau. Ils amènent la clarté, ils amènent des choses beaucoup plus faciles à comprendre et plus accessibles aussi au niveau des ingénieurs du son. Parce que faire un mix stéréo qu'on écoute avec des haut-parleurs, quand il y a plein de sources, et que ce soit très beau, très intelligible, que les choses soient bien définies, c'est extrêmement dur. Ça demande une écriture, des arrangements vraiment affinés et un travail d'ingénierie sonore très élaboré. L'espace permet de s'affranchir de ça. Alors, il ne faut pas l'utiliser comme un outil de simplification, mais l'espace redonne au cerveau ce qu'il aime, c'est-à-dire la capacité à discriminer l'espace, les sources dans l'espace, parce que justement, il a des indices qui lui permettent de les séparer, ce qu'on a beaucoup moins en stéréo, parce que la stéréo altère ces indices, et encore plus en mono. Et pour la radio, il y a un sujet qu'on n'a pas travaillé, ce qui est assez drôle quand même, alors que c'est notre cœur de métier, c'est la voix. Il n'y a rien de pire que trois politiciens à une table, qui parlent ensemble en mono, on ne comprend rien. Et si le présentateur n'arrête pas les frais, on ne comprend rien. Et le binaural permettrait de nous affranchir de ça. Et ça, on ne l'a pas encore utilisé. Tu vois, donc... Absolument. Romain, peut-être, si tu veux ajouter... Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et effectivement, il y a une grosse différence entre l'écriture, qui est une phase très importante, la composition avec la spatialisation et la diffusion. Et je dirais que les deux sont en plein essor. Moi, je viens plutôt de la musique populaire, donc j'accède depuis quelques années à ces outils-là. Je n'ai pas été formé à ça. Je suis un autodidacte pur. Et ça, je pense que ça se démocratise dans les jeunes générations de producteurs de musique électronique que je peux rencontrer. Et puis, en termes de diffusion, je suis entièrement d'accord. Il y a, ne serait-ce que sur la qualité, il y a un intérêt réel de compréhension de la musique et de la qualité du confort d'écoute. Et je pense que les casques, hein, aujourd'hui, la démocratisation des casques de plus ou moins bonne facture font qu'il y a une audience de plus en plus large qui va être friande de ces contenus. Donc la courbe d'apprentissage pour un artiste, elle n'est pas phénoménale. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait s'approprier ce type d'outil. Elle est constante. Pour moi, elle est fondamentale dans ma démarche, en tout cas, qui est d'avancer, de pas progresser, mais d'avancer, de découvrir, de défricher. Moi, j'aime appréhender toutes ces questions-là sous le prisme de la collaboration. C'est vrai qu'avec Hervé, on fait vraiment les choses ensemble.